Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Je vous fais cette petite vidéo de présentation pour vous expliquer comment fonctionne un régulateur de vitesse sur une Audi. En l'occurrence, je suis dans une Audi A1, mais vous allez trouver le même fonctionnement sur l'Audi A1, A3, etc. Donc, vous avez sur le côté de votre volant ici une petite commande. Sur cette commande, vous avez ici marqué off, cancel, on ou résume avec deux flèches. Sur le côté, vous avez un bouton 7. Une fois que vous avez donc trois positions, la position off, comme la flèche le signale, donc qui est complètement au bout vers le tableau de bord, et à ce moment-là, votre régulateur de vitesse est en arrêt. Soit vous tirez vers vous, et à ce moment-là, donc vous le mettez en on. Une fois que vous l'avez mis en on, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton qui est ici, 7, pour stabiliser la vitesse à laquelle vous vous trouvez. Voilà, c'est ultra simple, c'est allé très très vite. Donc une fois que vous avez mis donc en route le régulateur, vous appuyez là-dessus pour stabiliser la vitesse à laquelle vous vous trouvez. Il suffit ensuite d'utiliser le plus ou le moins en poussant vers le haut ou vers le bas. Et vous aurez donc la vitesse qui va s'afficher à votre tableau de bord ici. C'est-à-dire je vais monter la vitesse et voyez, vous avez le petit onglet donc régulateur de vitesse qui s'affiche ici. Et avec ça, il vous donne la vitesse à laquelle vous lui demandez de stabiliser, tout simplement. Donc je monte, je descends, et si je veux arrêter mon régulateur de vitesse, eh bien soit j'appuie sur la pédale de frein, et ça l'enlèvera automatiquement, soit je pousse simplement mon régulateur de vitesse vers l'avant, vers le tableau de bord, pour le mettre sur on, enfin sur off, pardon. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura été utile